Philippe est venu spécialement en demande de lieu pour acheter ce timbre en avant-première au bureau de poste de Grasse avec le tampon certifiant premier jour. Les timbres, on aime bien tous les avoir, c'est sûr, hein, mais le cœur, c'est beau, émouvant, on a tous dépensé en l'achetant et en l'envoyant. Depuis 20 ans, la Poste édite un timbre cœur pour la Saint-Valentin en collaboration avec une grande marque. Cette année, c'est la rose de Lancôme cultivée à Grasse qui est à l'honneur. Ce timbre représente le domaine de la rose Lancôme qui valorise les savoir-faire grassois reconnus par l'UNESCO. La rose sur le timbre reprend le design que vous avez pu voir à l'intérieur de la maison de la rose emblématique de Lancôme et du domaine. Cette rose a été réalisée avec des artisans en local grassois. Avec des lettres envoyées partout en France, c'est une partie de la ville du parfum qui rayonnera. Cette communication qui va à la fois pendant la Saint-Valentin, à la fois tout au long de l'année, parler quelque part de la ville de Grasse. Pour nous, c'est aussi mettre à l'honneur notre territoire, notre patrimoine. Des timbres disponibles au tarif habituel et dans tous les bureaux de poste en France dès ce lundi. On vend des blocs de 5 timbres qui ont été sortis à environ 500 000 exemplaires et des timbres à l'unité. Et donc là, il y a environ 1 500 000 exemplaires qui ont été édités. En vente jusqu'à épuisement des stocks, il reste un peu plus de 3 semaines pour écrire vos lettres d'amour avant la Saint-Valentin.